Bonjour, bienvenue aux parenthèses d'Université Insoumise. C'est le troisième volet. On avait dans un premier temps montré ou essayé d'expliquer que le capitalisme était insolvable. Ensuite, on s'était posé la question de l'hégémonie culturelle. Donc là, on va envisager la sortie du néolithique. Alors, le néolithique, c'est cette période préhistorique où l'homme a inventé la culture, l'agriculture, s'est sédentarisé. Il a inventé aussi l'outil avec les pierres polies, etc., etc. L'article dont on va servir, qui est un article d'Alain Badiou, il dit que le capitalisme est la dernière forme de cette période du néolithique. On va y revenir tout à l'heure. Et le capitalisme hyper-financier en est donc la dernière mouture. Badiou, lui, propose de sortir de cet âge du néolithique et il propose ça pour les raisons suivantes. Il considère l'angoisse que fait naître la contrainte environnementale avec les risques, donc il appelle ça un messianique, est dangereux. L'emballement technologique qui déboucherait sur de l'intelligence artificielle et le transhumanisme et d'autres sujets qui sont pléthores à l'heure actuelle, tout ça, c'est des hochets idéologiques. Finalement, parce que ça occulte la question qui pour lui est essentielle, à quoi nous mène un système capitaliste mondialisé? Premièrement, il se pose la question, qu'est-ce qu'on entend par nature? Est-ce que la nature, c'est l'envers de la culture, la biologie par rapport à la physique? Est-ce que c'est la ruralité? Ou est-ce que, beaucoup plus simplement, c'est le retour à la campagne, la plage et la montagne? Deuxièmement, il se pose la question, il revient aussi sur la question de la technique et des arts, en reprenant l'idée que l'homme est un roseau, donc c'est un des éléments les plus faibles de la nature, mais c'est un réseau pensant. Et ce réseau pensant, l'être humain, est doué de mathématiques, il est donc capable de faire de grandes choses dans le domaine matériel. Il n'y a pas eu de communisme primitif, c'est-à-dire le mythe du bon sauvage, ça n'existait pas. La réalité, c'est que les sociétés, les groupes de l'époque, étaient surtout définis par beaucoup de violence, sous le joug des préoccupations quotidiennes qui étaient harassantes et qui permettaient simplement de survivre. Et le transhumanisme, c'est finalement un petit peu un ressassé du créateur dépassé par sa créature. Donc, il revient en disant qu'il faut prendre les choses d'un petit peu plus loin. Voilà pourquoi il parle du néolithique. Et le néolithique est défini par trois éléments. Un, la famille. Deux, la propriété. Trois, l'État. Donc sortir du néolithique, c'est sortir de ces trois institutions. Et le capitalisme contemporain n'est que la dernière forme, dernière mouture, c'est la dernière forme du néolithique, et le capitalisme hyperfinancier qu'on a tout de suite, qui s'est écroulé en 2008, c'est sa dernière mouture. Alors, si on remet en cause ces institutions dites du néolithique, ça veut dire qu'il propose l'idée communiste. Donc, remettre en cause la propriété. Donc, il ne faut pas que ce soit la propriété privée des biens communs. Il ne faut pas que ce soit la famille pour les héritiers. Et il ne faut pas que ce soit l'État qui soit séparé de la société et protecteur des oligarchies. Il faudrait qu'il n'y ait plus de hiérarchie dans les travaux, plus de hiérarchie dans les nations, plus de hiérarchie dans les identités. Voilà comment Badiou essaye de présenter l'idée communiste. Pour ce qui nous concerne, on pourrait peut-être dire que l'avenir en commun, justement, le programme porté par la France insoumise, peut peut-être permettre de sortir de commencer, disons, à sortir de l'avenir du néolithique et donc de ce capitalisme hyperfinancier qui finalement a échoué en 2008. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, on continue la guerre de position. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de partager et puis abonnez-vous à la chaîne. La semaine prochaine, eh bien, ça sera la première séance complète qui traite justement de ce sujet, le capitalisme, ce système qui gouverne le monde, aliène l'homme et la nature. Allez, bonne semaine et à bientôt.